Salut à tous, c'est Nasband qui vous parle en compagnie de Renard. On reprend sur Untethered The Demon Forge. Et pour ceux qui se demanderaient pourquoi il n'y a pas plus de vidéos, bah déjà il faut trouver des jours où on est les deux disponibles, hein, et des jours où on a les deux envie de tourner en fait. Voilà. C'est compliqué. Voilà. Et vous constaterez aussi que bah voilà, paf, vrai 60 FPS, merci Intel, j'ai que ça à dire. Non, parce que les dernières vidéos, bon, c'est, oui, YouTube disait, bah c'est du 60 FPS parce que je l'encodais en 60 FPS, mais bon, en vrai, je tournais à 25 FPS. Ah, donc voilà. C'est quoi ça? Ouais, alors ça me dit, c'est gentil, mais je joue à la manette. Ah oui, c'est le truc de point de compétence, ça. Ok, d'accord, entrez, achetez. Je sais pas ce que j'achète, hein, c'est ça le pire. Ouais, je vais acheter ça. Je suis en mode, hey, tu veux prendre ça? Ben, ouais. Ah bah c'est cool alors, tiens. ok. Ah oui, c'est écrit en bas, je suis juste con, en fait. Je joue mon Resus, là, sur Devil May Cry. Anéantissez les ennemis en l'air. Mais ils sont immortels, je les tape par terre. Mais putain, ils sont cons. Mais c'est impossible. Ah non, non, mais je l'ai tellement tanné là-dessus, quoi. Allez hop. Mais l'autre joueur, attends que j'ai fini, mais l'autre joueur il peut... Putain, mais l'autre joueur il fait chier là, ça m'a sorti du truc. Sérieux? Genre t'as 30 secondes pour prendre tes options, puis si tu les as pas, mais va te faire foutre, hein. Ah, on peut le relancer si tu veux. Ah oui, bah oui, éventuellement, ouais. C'est là, il me restait ouais, un point. Ouais, je sais pas, moi j'ai validé ce que j'ai fait, puis voilà. Ouais, il me restait un point à dépenser, donc... Bah du coup je valide pas, parce que visiblement pour le jeu c'est horrible de faire ça. Ah non, mais en fait j'avais plus assez de cristaux de toute façon, donc... Voilà, hein. Oh, attends, oui. Si, je peux peut-être prendre le... Ah merde. Non, ah. Tous les cristaux, tout ça vaut 2 cristaux en fait, donc... Voilà. C'est quoi ce truc déjà là? C'est pas pour changer, c'est pour de, changer perso. De perso. Non, je veux pas. Non, tu vas garder ton barbare à la con. Quelle joie. Ouais, ça j'adore toujours. Non mais vas-y, prends ton temps, hein. C'est pas comme si je soulevais une porte géante. Mais tout c'est léger, voyons. Bah attends, je peux jouer à la manette à ça, non? Merde. Oui, oui. J'ai oublié de configurer ma manette en mode Xbox 360. Attends, je vais voir quand même s'il m'a fait le coup du... Est-ce qu'il m'a pris le volant comme manette? Parce qu'il y a plein de jeux qui me font ça, en fait. De considérer que le volant est une manette PC, hein, donc... J'ai essayé de jouer genre à BioShock au volant. C'est amusant, je veux dire. Et voilà, hein. Vas-y. Amuse-toi bien. Genre, mais réellement, hein, tourner le volant, ça fait tourner ton perso. Ils hein. Utilisent des balises. Et les gâchettes le font avancer. Ça me semble pas très bien. Tu veux qu'on s'en occupe? Bah je sais pas. Aïe! C'est quoi ça? Non mais il tire super vite lui avec son arbalète, tu peux pas me la donner? Mais putain, j'ai un truc qui me défonce la gueule là, c'est quoi? Ouais, je viens de voir, ouais. Voilà. C'est un mec avec une balise là. Je peux pas la prendre évidemment. Moi je défonce à distance, hein, quand c'est plus drôle. Enfin, si mon perso savait tirer, je dois avouer que ce serait plus drôle, mais. Ah, putain, mais non, mais la balise, tu vas la laisser, hein, connard. Putain, il l'a reprise, il l'a reprise, il l'a reprise, je vais mourir. Attends. Voilà. Merci. Voilà les renforts. Cadence. C'est quoi la vie déjà? Et nous, on va rigoler. Allez, oh un... bon dieu, ce doublage! Ils vont ils pleurer. Vont pleurer. Et nous, on va rigoler. Allez, et Kadok, viens! Allez, viens! Oh, bah, sérieux, je dois aller où? Je sais pas, faut juste défoncer les ennemis, je crois. Ouais, bah, ils sont revenus en haut. Il y a l'autre qui est revenu sur sa. Ah, c'est toi? Ouais, c'est moi. Ah, ouais, d'accord. Ah, et puis moi je peux les crever en fait, c'est ça? Exactement. Eh merde, mage gauche. Aïe, aïe, aïe. Au secours, au secours, au secours, au secours. Je me meurs. Ah, je suis lanceur professionnel. Oh putain. T'inquiète pas. Ils vont pleurer et nous on va rigoler. Allez, Kadok, viens. Enjaille-toi avec nous. Alors, Kadok, qu'est-ce que tu attends? Je me fais défoncer et ça fait un peu mal. Voilà, heureusement que le tirami est pas activé, hein, parce que sinon... Bah je serai un peu mort, quoi, un peu désintégré. Ça va, hein, t'as pris l'arbaliste, mais les mecs ils essayent... Oh putain, regarde lui, il est dans le sol. Je sais pas, lui il a fait une petite coulade en mode... Oh, je t'esquive. Regarde. Non, non, mais je vois rien, moi. Ah, pour moi, il y a une tête qui dépasse. Où ça, où ça? Ici, là. Vous ah merde, d'accord. Vous,
Vous êtes une elfe. Oh mon dieu, ce casque. Vous êtes une elfe. Je savais pas que le peuple des elfes existait encore. Je savais pas que le peuple des elfes existait encore. Vous êtes des héros. Tu savais, toi, que le peuple des elfes existait encore? Eh ben non, je croyais que... Bah, je suis pas dedans. Oh mon dieu, t'es tellement effrayant. Ne mets jamais les pieds dans le coin. On n'a jamais mis les pieds dans le coin. Et en plus, j'ai des animations très bizarres. Voilà. Je suis un peu... Non mais sérieux, sérieux, le mec, on lui a volé son âme, quoi, avant de faire son doublage. Hop, 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 avant que tu prennes le micro, tiens, tu nous donnes ton âme. Hein, voilà, va doubler. On te la redonnera à la sortie. Hein. On a l'habitude. On a l'habitude. Et en plus, en vrai, ces animations débiles qu'il a, le mec... Bah tiens, bah, tu te rappelles qu'ils étaient derrière nous, là? Hein? Regarde. La magie. C'est le slash TP, voyons. Non mais la magie, non mais sérieux, vous auriez pas pu les laisser, on n'avait pas essayé de les tuer, enfin si, on a essayé, mais il suffisait de les rendre immortels. Je viens de me passer à travers, ouais, c'est pas grave. Bon, allez hop, t'es passé en mode ghost, hein. T'as enclenché le noclip sur Garry's Mod et puis c'est bon. Exactement. Allez hop. Alors 10 minutes de cinématique juste pour voir le mec qui passe sous une planche, ça va aller, merci. Oui, merci. Je vais m'en passer. Oh mon dieu, des Wargasts. Oh. Des insectes qui sont plutôt violents et qui vont nous tirer dessus. J'ai envie de le taper. Voilà. Dans mon souvenir, crois... les Wargasts étaient plutôt faciles à tuer. Là, ils résistent un petit peu plus. De la viande ah, qui veut se battre. Bah, 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 bah. Je vais attaquer, hein. Voilà, je lui ai mis une flèche dans le cul, il a pas trop aimé. Je vais pas le voir. Non, et pourquoi sortir mon épée, sérieux, je... T'as déjà vu un mec qui, alors qu'il a un ennemi... Regarde, retourne-toi, hein. Un mec qui, alors qu'il a un ennemi... Non, vers moi. Il a un ennemi proche de lui, comme ça, et il lui tire à la flèche, hein, il sort pas son épée. Genre, le mec, il a un ennemi à 2 mètres de lui, hein. Non, non, je vais tirer dessus à la flèche, attends, oh, ouais. Ah oui, voyons. Ça va, oui. Oh. Plus logique, non? Ah oui. Pas oh, tiens, qu'est-ce que c'est ça? Snipers. Non. Snipers. Eh, t'as vu, c'est un Snipers! Avec un S! Quand il y a un seul, c'est physique! Aïe! J'ai des fioles pour toi, Kadok! J'ai des fioles pour toi, Kadok! Qu'est-ce que c'est? Bah, peut-être une fiole pour la relever, connard! Le mec est un peu débile! J'ai des fioles pour toi! C'est quoi cette merde? Bah, c'est une fiole! Non, mais ça, j'adore là, si tu fais pas tout de suite! Bon, bah, vas-y, hein! Prends ton temps! Non, non! Ouais! C'est pas comme si je soulevais une porte de 100 kilos! Hein, vas-y! Bah, non! C'est très bien que c'est des portes de 50 grammes, elles font partie du décor. Bah oui. Ok, allons-y. Hein. Je sais pas pourquoi ils nous ont ordonné maintenant, sachant qu'on a rien gagné presque. Oui, on a rien eu. Bah, si, j'ai gagné un cristal, donc du coup je peux acheter le souffle du dragon. Vous lancez un éclair qui foudroie et brûle votre victime. Ouais, je vais jamais m'en servir, prenons-le. Allez hop. Ça a l'air plutôt pas mal. Mais c'est ça, en fait, j'achète des trucs, mais en fait, tout ce que je fais, bah c'est utiliser. C'est utiliser mon arc, mon épée, t'as déjà utilisé un des sorts qu'il propose? Pas encore, non. Ouais, tu y penses pas, surtout. Oh, regarde, bah, attends, regarde ce gros rip-off du Christ des Andes. Ah oui, super, ce pouvoir, regarde. Pokéball. Pokéball. Drac au feu, à l'attaque. Boum, tu as mouru. Pikachu, attaque feu. Non, ça marche pas. Et mon perso est trop débile pour tirer en bas. Il peut tirer que en hauteur. Alors, pour les gens qui tapent des commentaires rageux dans les commentaires, je sais que Pikachu est un Pokémon de type éclair. Merci. Pas si con, c'était un troll. Hein. J'ai même pas fait gaffe. Dis Pikachu, attaque feu. D'accord. Il veut quoi, ce Wargast? Déjà, c'est pas le nom le plus ridicule du monde pour un ennemi, le Wargast. C'est les cartes de guerre. Les Warcartes. J'ai une dame de pique, tu ne peux rien contre moi. Non. Yu-Gi-Oh dans l'univers de Hunted. Vous n'en reviendrez pas. Yu-Gi-Oh. Eh bien, vois-tu, mais il est en fait... Quick, il a son prénom depuis deux là. Eh bien, vois-tu, en fait, c'est très simple. Il s'agit de Yu-Gi-Oh! Appuie sur mage gauche pour voir l'énigme activée par l'autre joueur. Waouh, c'est une énigme ça. Oh putain. Pousse ça. Oui, mais pousse ça. Ça mais pousse ça. Mais je suis bloqué. Mais pousse-le. Mais je suis bloqué. Faut peut-être que je t'aide.
Allume les lumières de tout ton fort, tu découvriras un grand trésor. Ouh. Oui, non, mais je suis bloqué dans la charrette. Ah, ça y est. Oui, d'accord. Je ne pousse pas la charrette. Là. Non, mais tu vas où? Bah, dis donc, cette charrette, elle était lourde, hein. Tellement lourde. Je t'avais dit de pas la... pas la pousser par la force de ta pensée aussi, t'as des bras à merde. Bon alors attends, allume les lumières de tout ton fort et d'un grand trésor tu découvriras. Le jeu m'a donné du feu donc... Là, ici, il y a une torche pas allumée. Attends, je te vois pas. Je sais même pas où t'es. T'as disparu où? Je sais pas, t'es où toi? Ah putain. Mets le feu ici, fillette. Ah bah voilà, tiens, mon perso te le dit. Oui, ça lag. Pourquoi? Ça je suis en lag. Non mais... pourquoi ça lag là déjà, un de base, et deux. Ouais, super, je visais absolument pas la torche. C'est un peu gêne. Allume les lumières de tout ton fort et tu découvriras un grand trésor. Je vois pas le rapport avec fort, en fait. Je sais pas, mon perso il a dit, hé, hey, allume ça. Mais écoute, voilà. C'est quoi ça, ouais, qu'est-ce que... J'ai de l'arme de dragon, il fallait la ramasser, hein, pas être un barbare tout le temps non plus. Le mec il voit ça, hein. Non, mais y'avait pas. Attends, besoin. Attends, je rêve ou j'ai une bouteille de liqueur sur la jambe là? Oui, oui. Regarde, du côté de là où j'ai le bouclier, regarde, j'ai une petite bouteille, t'es au cas où. Pour la consommation personnelle. Ah bah oui, bah c'est évident, attends. Oh. Bon, du coup, on a poussé cette charrette, pourquoi en fait? Parce que le chemin est toujours aussi bloqué et puis. Je sais pas, ça doit être juste pour le feu là, non? Pour l'énigme. Ouais, c'est possible, mais du coup, on doit aller où? On va demander au petit point. Le petit point il a été par là. On fait comment pour demander au petit point déjà? C'est le stick gauche. Attends putain. Si t'es à la manette, mais après sinon la souris je sais plus. Okay. Oh regarde, encore un petit point pour changer de compétence. Attends, je vais retrouver mon petit point là parce que je joue au clavier, parce que comme un con j'ai... Se téléporter vers l'allié? Bah oui, pourquoi pas. Putain, c'est pas mal ça. Mais attends, elle fait quoi mon perso là? Mais oh. Pourquoi il se... Oh bon... Non mais tu fais quoi connasse? Mais arrête! Mais... Non mais... Pourquoi ils se mettent comme ça? Y'a rien qui gêne! Mais putain mais... Oh! Mais non mais ils sont abrutis! Non mais... Y'a quoi qui gêne là? Y'a rien! Y'a rien! Mais c'est des abrutis! Je propose qu'on active cette pierre, je suis sûr qu'elle est bien. Non, je vais garder mon personnage. Hein. Garde ton barbare de merde. Là, ce clocher. Ouais. Ah, d'accord, c'est comme ça qu'on disait clocher, je peux la refaire. Non, coupez, elle est bonne. Mais c'était un peu de la merde. Là, ce clocher. Non, mais je vais la refaire, hein, là, sérieusement. Non, elle est déjà enregistrée, on n'a pas assez de thunes. Revenez, bande de lâches. Vous, venez avec moi. Ouais, non, ta gueule, hein. On s'en branle complètement de ce que t'as à dire. Le maire est coincé plus bas. Ah, et on voulait dire que c'est un garde qui n'a pas d'arme. Ouais. Non mais attendez. Le maire. Ah mais putain, mais oui, c'est vrai qu'on allait pour le maire à la base. Putain, j'avais... Ouais, un peu, oui. Non mais tu sais que j'avais complètement oublié. Oui, je te rappelle que le fantôme chelou bizarre, c'était la petite... Oh, la petite gerbe de sang, c'était next gen, hein. Ah bah... Non, moi ce que j'adore, c'est le mec qui fait non, mais ça lui vient pas l'idée de bouger, hein. Non, attends. Non, je vais hurler pendant que ces débris me tombent dessus. Non, mais les débris sont toujours pas tombés, monsieur. Non, c'est foutu. Partez sans moi. Mais non, survivre. Déplace-toi d'un pas à droite. Non. Merde. Putain, mais j'ai con. Ah ben voilà, ça prend de la fille, ça joue mal. À l'aide. Oh putain, c'est lanceur de gueule professionnel. Ah ben, attends, je suis entraîné tout le week-end, hein. Ah ouais, t'as été à la pêche avec ton fils, vous avez lancé les fioles. Exactement. Des épées, bien. Des boucliers. On fait la pêche à la fiole. Des épées, des boucliers. Merci, connard, j'ai pas des yeux pour voir. Aïe. What? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi ça? Je sais pas. Ok, d'accord. Oh, j'ai des effets très dégueulasses et moches. T'es en mode Naruto là. Kagebunshin no Jutsu. Le clocher. Faire quelque chose pour le clocher. Mais si on veut pas faire quelque chose pour le clocher, bah faites-le quand même. Parce que c'est le jeu qui l'a dit. Ah, super, ça y a une rouge moche. Voilà. Je sais pas à quoi ça sert cette technique, mais apparemment ça doit faire quelque chose. La balise qui nous vise là. Je suis sûr qu'elle est gentille. La balise de Kadok. On doit s'en servir pour détruire le clocher. Et je vais le faire moi-même, Kadok, parce que tu es trop con. Ok. Je
putain de bâtard de merde qui ne sait rien faire. Ouh, tu me protèges s'il te plaît. Moi je fais mumuse là. Aïe aïe aïe, je me fais quand même vendre surtout. Est-ce que je tire à quelque part en particulier? Sur le clocher. Tiens, bonjour monsieur. J'avais fait mon superbe dash, voilà. Il donne d'accord, super. C'est pulvérisé. Bon, est-ce que je dois vraiment tirer sur ce clocher? Parce que. Bon, pour que je fais quelque chose, hein. Ah bah, si, en fait. Si. Regarde, une cinématique en pré-rendu. Oui! En fait, pré-rendu quand même avec. Pré-rendu avec les graphismes du jeu. Hein, quand même, c'est. Voilà. À 30 FPS en plus, la cinématique. J'appelle se battre avec brio. Bah oui, parce que si le jeu est à 60 FPS, pourquoi faire une cinématique à 60 aussi, hein? Ah, oh, putain. Quand on peut la faire à 30. Super, dans le dos, j'avais un bouclier que je n'ai pas normalement. Oh putain, mon dieu, c'était quoi ça? Cette apparition d'horreur là qui est apparue sur mon. Ah, c'était lui, ok, d'accord. Oh mon dieu, un screamer! Ah non, mais Five Nights at Freddy's m'a fait. Oh putain! On avait entendu dire que Die Fed. Oh le cliché de base! Die Fed pourra payer pour nos services. Die Fed pourra payer largement pour nos services. J'ai d'autres problèmes à régler que de me faire voler. Il y a eu une erreur de casting pour la voix de ce mec, hein. Petit conseil. Sérieux. Ce n'est peut-être pas l'endroit idéal pour négocier. Bon. Ok. En quoi peut-on non vous mais allô. Il balance une poche d'argent et ça fait le bruit d'une hache qui tombe. Voilà. Mais sans déconner. Non mais allô quoi, on est dans une salle du trésor, c'est pas l'endroit pour négocier. Puis à chaque fois que la caméra revient sur lui, son manteau fait T'es un gros riche et puis tu veux pas négocier dans une salle du trésor. Non mais allô quoi. Non mais allô s'il te plaît. Regarde, t'as vu le bouclier? Mais j'ai pas ça normalement. Oui, moi non plus. Un liquide. Oh, putain, je peux bien l'avoir d'un autre côté, mais bon. Le bas du manteau où t'as les jambes qui le traversent toutes les 3 secondes, si tu regardes. Oui. Regarde quand ça vient sur lui, puis qu'on le voit en entier, tu regarderas bien ses jambes. Puis, il est aveugle ou il a vraiment des yeux? Regarde, regarde, là. Là, tu vas le voir de nouveau. Il devint extrêmement fort. Mais ça arrive souvent. Faut bien regarder. Mais l'effet ne durera pas longtemps. En fait, j'en ai rien à foutre de ce qu'il raconte. Ouais, voilà. On cherche des bugs graphiques. Oh putain, il y a son bouton qui a éclaté. Je l'ai fait enfermer. Oui, t'avais pas vu? Ah. Mais perd du poids, mec. La dernière fois, se dirigeant vers les donjons. Non mais pourquoi il a les yeux tout noirs? Qu'il n'est jamais revenu. Non. Personne. Non mais il est possédé, sérieusement, t'as vu ses yeux? Sérieux. Je vous propose un marché. Qu'est-ce qu'il est? Descendez. Regarde, voilà, regarde bien ses jambes, ça va arriver, je suis sûr. Putain, maintenant que j'en ai parlé, ça le fait plus, hein, le jeu, il est en train de faire. Ah, ils avaient remarqué les bugs, allez, on va tout corriger maintenant. Ramenez-la. Et je vous donnerai 1000 pièces. T'as remarqué qu'il a pas de nombril, le mec? Vous en avez à l'endroit où son nombril devrait être. Ici. On en veut des mille. Ils se sont dit que ça allait faire trop cliché. Quoi? C'est du vol. Regarde là, t'as vu? Voilà. Nous envoyer dans un horrible donjon. Le manteau en mode. Oh quoi, les lois de la physique? Croyez que c'est dans un donjon que personne n'est revenu. Croyez que c'est gratuit. Vous sentez la tension dans ma. Bandit de grand chemin. Non, moi c'est de petites routes. Ah oui. Voilà. Allez vers le château de Dive. Bandit de chemin de remaniement pour tracteur. Ouais. Avec une fortune qui nous attend si on mène à bien cette quête. Oh mon dieu, un doublage qui était à peu près correct. Que j'ai touché la porte, ouais, non? À peu près. Ouais, et puis après, il y a mon perso qui vient tout ruiner en mode « Tu dois être content que j'ai touché la pierre, non ?» On dirait le docteur Zoidberg quand il s'en va, quoi. Ah tiens, Résus sur DMC. Oh, mais quelle surprise. Il s'est enfin décidé à retravailler. Attends, je vais quand même lui envoyer un message, hein. Ça y est, attends, j'ai le shift. Alors, ça y est, décidé à bosser. Bravo. Oh mon dieu. Se frayer un chemin au cœur des donjons. Oh merci l'objectif, sans toi je m'en serais jamais sorti. Tu peux faire bugger le point en spammant la touche, le point il est en mode. Mais arrête. Ah, arrête. Il a répondu XD. Ok, c'est pas une réponse, mais on va dire que j'accepte. Attends, voilà, j'avais un œil là qui me disait maintenir E. Oui, c'est ce que je fais aussi. Et du coup, des coups, il est plus là. Ah, t'as loupé l'opportunité. C'est bizarre. Oh. C'est bizarre, un truc de torche éteint E.
Ouais, non, mais en gros, là, le jeu nous dit ouah, t'as vu cette énigme qu'on te met dans la tronche quand même? Hein? Une torche éteinte, il va y avoir du feu 5 mètres plus loin, mais qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire? Là, j'avoue que je sais pas, hein, je sais. C'est pas comme si c'était pas l'énigme qu'on t'avait refourgué depuis, je sais pas, le début du jeu. Je suis à moitié aplati entre deux arbres, je dois dire que ça fait un peu mal quand même, hein. Non mais avec un doublage pareil, tu m'impressionnes pas du tout, mec. Non, puis j'adore les mecs qui sont en mode... Ouais, cool, une pierre qui te parle. Tiens, l'ancien gardien, c'est pour toi. C'est des flèches de l'amitié. Maintenant, je vais t'offrir l'épée de l'amitié, regarde. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on a à faire? Oui, non, mais la pierre, c'est cool, et alors? Qu'est-ce que ça dit, là, Tab? Résoudre l'énigme de l'ancien, merci le jeu. Non, j'ai pas compris. Et apporter une flamme bleue à la tête de l'ancien. Ok. Ouais, flamme bleue. Il y a quand même que dans un jeu vidéo que tu peux lire des phrases comme apporter une flamme bleue à la tête de l'ancien puis que ça ait du sens, hein. Ouais, c'est ça. Non, parce que t'imagines si on disait ce genre de truc dans la vraie vie, quoi, t'as fait quoi aujourd'hui? Bon, j'ai apporté une flamme bleue à la tête de l'ancien. Bon. Tu fais toujours la même chose de tes journées, toi, hein. Hier c'était une flamme rouge, avant hier c'était une flamme jaune. Putain. Tu te renouvelles pas, hein. Regarde, viens voir. Attention, ne le ramasse pas, hein. Viens voir. Une épée pour toi. Peut-être. Non mais viens voir là, le trésor. Hein. Tu vois à quel point il est plein, hein. Ah oui, effectivement. Je le ramasse. Ouais. Vous avez gagné 700 d'or. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Attends, voyons l'épée, ce qu'elle vaut. C'est quoi, moi, ah bah voilà, là. Elle au moins elle tape vite. Il est où là? Non, en fait j'ai trouvé une épée, mais ouais. En fait c'était pour moi vu que c'était une grosse. Ok, d'accord. C'est pas du tout une allusion sexuelle, hein. Rien à voir. Non, par contre, je suis en train de me demander si c'est pas. C'est pas en fonction de celui qui tape sur les trucs d'armes qui débloque. C'est quoi ce truc? Là, j'ai débloqué des haches et tout. C'est quoi ce truc par terre là? Ça, c'est une potion de mana, je crois. Oui, bah, je peux pas la ramasser. Parce que tu dois déjà en avoir deux. C'est... En plus, comment tu m'as dit ça? On aurait dit que t'étais doubleur dans le jeu, quoi. Ça, c'est une potion de mana, je crois. Ok. Bah, je m'entraîne à être doubleur. Pile pour la suite de ce jeu qui ne sortira jamais. Exactement, mais par contre, on est pas en train de revenir en arrière là? Ouais, je crois. Oui, on est totalement en train de revenir en arrière. Non, mais je veux dire, à part ces doublages français absolument ignobles, je sais pas ce que donnent les doublages anglais, hein, c'est mais je suppose qu'ils sont de meilleure qualité. Oui, je pense, oui. Non, parce que là, les doubleurs français, tu sens tellement que c'est les mecs qui ont dû faire ça en 3 jours pour la sortie française. Hein, et... C'est ça, c'est genre les mecs, il va falloir faire le doublage français. Quoi? Mais le jeu, l'histoire de jeu, elle parle de quoi? Ben on n'a pas le temps, allez, vas-y, tu lis ces lignes. Oui, mais attends, ça se déroule dans quel type de monde? On n'a pas le temps, vas-y. Ferme ta gueule et lis ça. Ouais, mais je dois mettre quelle intonation? Mais je sais pas, moi, mets une intonation et puis voilà, hein. Parle comme ça, tu verras, tout le monde va y croire. C'est bon, on te paye pas un bol de ramen par mois pour que tu viennes ouvrir ta gueule, hein. Oh. Non, mais sérieux. Non, par contre, j'aimerais bien savoir comment on avance là. Ouais, bah en même temps, on pourrait s'arrêter là. Hein. Bon, ah, si. Parce aussi. Que là, ça fait 25 minutes de vidéo, donc hop. Oui, bon, allez hop. Voilà. Je vais faire des roulades contre. On est allé par là déjà. Oh, bah tiens, une flamme. Et il y avait des torches là-bas. On saura ce qu'il faut faire la prochaine fois. Oui. Ah, oui, okay. Bah oui, c'est vrai. Bah oui. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, pour laisser un j'aime, commenter, vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter, à la mettre en favori. Tu vas te calmer, oui. Je partage la lame de l'amitié avec lui. Moi aussi. Tout ça me prenne en... Oh putain. Je sais pas ce qui s'est passé, hein. Tout ça me prenne en mon plaisir, voilà. Donc c'était Nasband et Resus. Enfin, Ironard, merde. Ouais. Putain de tête. Ok. J'ai appuyé deux fois sur W, il s'est passé quelque chose. Ouais. Mais regarde. Ah oui. Tu sais comment le déclencher? Vas-y. T'appuies sur W et clic gauche en même temps. En permanence. Clic gauche. Tu tapotes. Tu t'appuies sur la touche de pour avancer, hein, et tu tapotes en même temps avec ton épée. Mais ça marche sur le clavier, je crois. Ça marche pas, moi. J'ai essayé à la manette aussi, mais ça marche pas. Ça, ce sera un truc à mettre dans le best-of, toi, vas-y. Un petit montage à la con, là. Oh mon dieu. Tu mets la hamster dance derrière, hein. Du coup, ça me fait plus.
Mais elle tremble quand même beaucoup. Hein. Bon, je vais m'éloigner de Glitchland là parce que je sens que ça m'a fait de Glitchland. Voilà, allez, à plus les gens. Allez, ciao, voilà. En fait, j'aurais dû récupérer la caisse de munitions avec le Gravity Gun, c'est ça que t'essayes de me dire le jeu, hein. C'est mignon, c'est mignon.